Voilà, on a parlé de Kuluna, un jeune qui réfléchit. Kinshasa zéro Kuluna. Monsieur Ange Luka, bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-David Kiloré. Voilà, vous êtes lancé dans la lutte contre les Kuluna. Oui. Est-ce que vous allez y arriver? Très bien. Vous allez y arriver? Oui, nous allons y Oui, arriver. comment vous allez le faire? Oui, premièrement, d'abord, nous avons commencé par la conscientisation, c'est-à-dire conscientiser les jeunes en les côtoyant, en étant ensemble avec eux par la communication, ça veut dire les mots du langage. Vous voyez un peu, les mots du langage, au début, ça a été un peu difficile. Mais ces jeunes-là sont des Congolais. Ce sont des gens qui ont quand même des réflexions. Nous avons des diplômés. Nous avons des intellectuels parmi ces gens-là qu'on appelle communément Kuluna. Alors, on a commencé par les conscientiser et puis on s'est mis ensemble. Maintenant, là que je vous dis, dans notre structure Kinshasa Zéro Kuluna, KZK, nous encadrons déjà plus de 400 jeunes. 400 jeunes déjà dans notre structure. Mais faute des moyens. 400 jeunes. Oui, 400 jeunes qui ont Ce sont des adhéré. Kuluna. Oui, qui étaient des Kuluna, qui sont devenus maintenant des. Moi, je les appelle des zéro Kuluna. Est-ce que vous les suivez? Nous sommes ensemble avec Parce eux, qu'il ça faut faire de suivi. Hein. Ils peuvent juste vous dire qu'ils ont laissé leur sale besogne. Alors, ils sont en train de fonctionner sur ces plans-là. nous nous procédons comment? D'abord, ils ont les cartes des membres. Un Kuluna ne peut pas vous donner son adresse, monsieur Jean-David. Mais lorsque un Kuluna vous donne son adresse complète, ça veut dire qu'il sait déjà qu'il est exposé. Alors, dans la structure KZK, Kinshasa Zéro Kuluna, ces jeunes-là ont leur carte des membres où se trouvent leurs adresses complètes, leur façon de fonctionner. Et moi, souvent avec mon comité, avec des gens qui nous donnent des informations, on est vraiment de temps en temps avec eux, en les conscientisant que non. La première des choses, c'est d'abord cesser. Et puis, moi, avec les comités, nous allons maintenant hausser la voix aux autorités pour vous trouver du travail, vous trouver des formations, des différents moyens. Vous voyez? Mais la première des choses, c'est d'abord laisser. Alors, nous faisons des réunions, nous faisons des activités, toujours dans la conscientisation, parce que notre structure, c'est une structure d'appui à la sécurité. Nous sommes répondus à l'appel du chef de Vous avez l'État. répondu à l'appel Oui, nous avons répondu à à l'appel du l'appel du chef de chef de l'État, l'État. Félix Tshisekedi. Oui, chef Félix Tshisekedi qui a dit, mettons l'homme congolais au centre de tout. Alors maintenant, ces jeunes que vous recrutez, que vous êtes en train d'aider, pourquoi vous ne les orientez pas peut-être vers le service national pour qu'ils deviennent des bâtisseurs? Hein, parce que le temps de les laisser comme ça, sans qu'il y ait de suivi, ils risquent de devenir une bombe à retardement. Non, ce n'est pas une bombe à retardement. Dans la structure, nous sollicitons l'aide des autorités, comme je vous dis. Premièrement, d'abord, le gouverneur de la ville, Gentil Ngobila Mbaka, dans son programme de Kin Bopeto. Kin Bopeto, qu'on attend, ce n'est pas seulement la salubrité. La mentalité des jeunes aussi doit être Bopeto. Alors, nous sollicitons l'aide du gouverneur par rapport à cette structure que nous encadrons les jeunes. Nous sollicitons aussi l'aide des ministres de l'Intérieur actuels, Son Excellence Peter Kazadi, à qui aussi dans son programme actuel, il y a le programme Kuluna. Nous sollicitons l'aide de la fondation Denise Nyakeru, de la première dame, notre première dame, qui a montré à la face du monde qu'elle n'est pas ce que les autres croyaient d'elle. Pourquoi? Parce que dans notre structure Kinshasa Zéro Kuluna, ce n'est pas seulement les jeunes. Ce n'est pas seulement les jeunes garçons. Nous avons les filles, les filles Est-ce mères. que vous avez quand même des moyens pour mener à bien votre politique? Faute de moyens, mais nous avons la possibilité de les affronter, de les convaincre. C'est pour cela que nous sollicitons les moyens auprès des autorités compétentes. Donc, vous Oui. sollicitez des moyens. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore de moyens. Il n'y a pas encore de moyens, mais. Alors, qu'est-ce que vous a animé, vous, à pouvoir certainement se lancer dans la lutte contre les Kuluna? C'est les soucis de notre pays. Vous savez maintenant, là, monsieur Jean-David, notre pays subit beaucoup d'insécurité. Nous avons l'insécurité des viols, nous avons l'insécurité des l'insécurité alimentaire. Et maintenant, là encore, nous avons l'insécurité des phénomènes communément appelés Kuluna. Les chefs de C'est l'État. devenu très inquiétant. Oui, oui, Très oui, inquiétant dans oui. beaucoup de Oui, communes, oui, oui, oui. dans beaucoup de communes, beaucoup de quartiers. Vous ne Oui. pouvez pas vous déplacer au-delà des 20 Oui. heures parce qu'il y a trop de Kuluna Oui, ça par-ci, devient un par-là. phénomène majeur. Oui, il y a un phénomène majeur. Oui. Vous risquez de laisser votre peau là. Oui. Alors, d'où il faut certainement une politique
pas seulement au niveau de la prison, mais il faut une conscientisation. Conscientisation. Et ce que vous êtes en train de faire. C'est par cette voie-là que nous nous sommes venus, par la voie de la conscientisation. Et nous arrivons aussi à recruter beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Vous pouvez descendre même actuellement là-bas, là où il y a notre siège, dans les districts de Mohamba, précisément dans la commune de Lemba. Vous allez voir comment est-ce que nous évoluons. Parce que la première des choses, ce n'est pas seulement faire de base que non, je suis zéro Koulouna. Oui, je félicite tous ces gens-là qui se sont mis en action actuellement là, Koulouna, Koulouna, Koulouna. Mais ce n'est pas pour peut-être des raisons politiques ou électoraux. Mais il faut que vous voyez aussi le ministre de l'Intérieur, Pierre Kazadi, certainement pour qu'il vous vienne en aide. Oui, oui, parce que nous avons un événement là que nous préparons par rapport à tous ces jeunes-là d'abord de Mohamba qui ont répondu à l'appel de cette structure Kinshasa Zéro Koulouna. Nous avons un grand événement de ce mois de juin ici, la sortie officielle de notre structure Kinshasa Zéro Koulouna, dont nous invitons les VPM, Pierre Kazadi. Nous invitons les gouverneurs de la ville, Jantine Ngobilambaka, et nous sollicitons maintenant l'aide de la première dame, comme je vous ai dit, Maman voilà, Denise, parce qu'il y a aussi les filles. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ange Luca, pour votre passage, pour parler certainement de la lutte contre le Koulouna. Merci voilà, beaucoup, merci. Vous savez, fidèles téléspectateurs, la semaine a été très agitée avec la politique, avec des Koulouna, beaucoup de choses, des marches, mais on a voulu terminer cette semaine sous une note de détente, une note de culture. Et par là, nous allons recevoir un artiste, un réalisateur. Il viendra. On va essayer un tout petit peu de papoter sur ça tout de suite. Hein.